Long ago, we looked upon a foreboding sky. The memory of the star that threatened all burns eternal in our hearts. In its wake came an age of silence. Yet with each fond remembrance, we knew those encountered were not forgotten. That someday we would see them again. Perhaps it was no more than wishful thinking. But after the long calm, there are now the beginnings of a stir. The reunion at hand may bring joy, it may bring fear, but let us embrace whatever it brings. For they are coming back. At last, the promise has been made. Salut, hop. Que je m'installe. Salut à tous. C'est bon, hein? Non, c'est bon. Non, tout est en place. Vous devriez m'entendre. Voilà, salut à tous. Donc là pour un live que je n'avais pas prévu de faire à l'origine sur ce jeu-là, mais dis donc, l'actualité, les circonstances, j'avais des circonstances atténuantes, monsieur l'avocat, enfin monsieur le juré, je sais pas. Le remake d'FF7, je sais, bon, il y a des tas de gens qui en ont rien à foutre, et ça je peux tout à fait comprendre. Moi il y a des remakes ou d'autres jeux où j'en ai rien à foutre aussi. Moi personnellement pour FF7 j'en ai pas rien à foutre du tout. Donc pour moi c'était important, là je me suis dit, putain, c'est le moment de rejouer à la version originale. Bon, là, on est sur la version PS3. Enfin, PS3. C'est toujours la version PlayStation 1, mais qui est sortie aussi sur partout, quoi, PS3. Enfin, toutes les consoles PlayStation, aussi sur Xbox, je pense. Vous me direz, au niveau du son, ça va. Donc, voilà, on va jouer un peu à FF7. On va un peu en parler tous ensemble, si le sujet vous intéresse. Ah, toi, Mike, tu t'en branles? Pff, si tu t'en branles, c'est... Les pubs, blagues? Ah bah ça, j'y suis pour rien. Après, je peux comprendre qu'on s'en branle, hein, ça dépend, hein, comment dire... T'as des jeux, si jamais t'as jamais fait le jeu, forcément, tu t'en fous, quoi. Moi, c'est un jeu que j'ai fait dans ma jeunesse. Alors, pas à l'époque, pas en 97, parce que j'étais trop petit, mais quelques années plus tard... Donc il fait partie quand même de ma jeunesse, de mes années collège pour être précis. Et ce qui remonte déjà à 10 ans, quoi. Donc forcément un remake de ce jeu-là m'intéresse très très fortement. Donc, je vais quand même me taire sur l'introduction mythique. Ce quoi là, je sais pas, regarde ta connexion parce que mon PC est à genoux, bah je sais pas. Je vois pas pourquoi il serait plus à genoux que d'habitude, hein. Surtout qu'en l'occurrence, c'est pas un jeu qui demande beaucoup de ressources à. Comment dire. Le stream, voilà, il n'y a pas non plus 10 000 images
partout, quoi, à calculer, hein, c'est un vieux jeu. La bande passante, ça devrait passer. Viens par ici, nouveau venu, suis-moi. Je vais faire les voix de Barrett, tiens, la voix de Barrett. Donc, je pèse un peu mon son. FF7, RPG mythique de Squaresoft à l'époque, devenu Square Enix par la suite. Premier Final Fantasy arrivé sur le territoire européen. Et peut-être même le territoire américain, j'ai un doute. Oh putain, il m'attaque. Et qui introduisait un nouveau système dans le tour par tour, un tour par tour beaucoup plus dynamique avec la jauge ATB, elle s'appelle, qui est en bas de l'écran. Non, mais quoi. Non, je sais pas. Non, mais d'accord, j'ai un oui. C'est le 4 qui est arrivé en premier. Ah oui. Donc, aux États-Unis, c'est le 4 qui arrive en premier, mais en Europe, en tout cas, c'est le premier. Ah non, mais sur les États-Unis, j'avais un doute. Mais en Europe, c'est le premier qui était arrivé officiellement, parce que bien sûr, les autres, tu pouvais les avoir en... Je cherche le mot. En import. Ouah, il faisait partie du soldat, c'est ça. Tu n'envoies pas tous les jours de cette espèce-là dans un groupe comme Avalanche. Le soldat, mais ce n'est pas notre ennemi. Que fait-il en parmi nous au sein d'Avalanche hein? Écoute, Jess, il faisait partie du soldat. Il l'a quitté et fait partie des nôtres maintenant. Alors là, la trad française est assez mythique pour être assez... très mauvaise, moyenne souvent, mauvaise parfois, bonne rarement. Et ce qui est drôle, c'est que quelques jours avant, là, alors Cloud, non, pas Cloud, ça c'est la version française, c'est Cloud. Ou alors on peut l'appeler Nuage si on se marie. Bonjour, je m'appelle Nuage. Merde. Même sur un clavier virtuel comme ça, j'arrive à me foirer. Alors choisir, j'ai pas le skill qu'il faut. Cloud. Pour le coup, je suis aveugle et sourd, mais je compte quand même, c'est le cas qui est en premier. Toi qui m'as fait rire ce jeu, c'est les ennemis qui t'attaquent de partout sans les voir, et le temps que tu perds avec pour finir le combat ou partir. Ah, d'accord, je commence sans les voir. Oui, oui, c'est l'époque où t'avais les combats aléatoires dans une zone, quoi. Non, je vois ce que tu veux dire. Bah, dis donc, à l'époque, c'était très... C'était comme ça qu'on faisait les RPG souvent, quoi. C'était enfin un truc qui se faisait souvent. Quoi. Que diable faites-vous? Je pensais que vous avez dit de ne jamais vous déplacer en groupe. Notre cible est le directeur McConnor. Nous nous retrouvons sur le point situé en face. Ouais, je trouve une voix pour chaque personnage. T'en barrette. Excellent, hein? Je ne te fais pas confiance. Bon, on regarde les barrettes. Appuie s'il te plaît sur la touche directionnelle et sur la touche annulée marquée X. Pour démarrer quoi. Oh putain. Je crois qu'il voulait dire pour courir. On a vu en anglais ça doit être for run. Et ils ont traduit run par démarrer et non pas par courir. Enfin bref, pour vous dire que la trad française de ce jeu-là est mythique. Ne serait-ce que le remake, rien que pour ça, ça serait bien d'avoir une vraie trad française. Pas le premier non plus comme jeu j'étais bien. Et le 6 n'en avait pas. Je me mets le doute. Après, en plus, surtout que c'est une histoire qui se raconte en plusieurs dizaines d'heures. Non, mais c'est pour ça que le remake devrait peut-être intéresser Mike. C'est justement s'il modernise de façon à ce que les nouveaux combats, à mon avis, ne garderont pas le tour par tour pour le remake.
que ça te raconte grosso modo la même histoire, mais de manière beaucoup plus dynamique, mieux mise en scène, enfin mieux mise en scène, pas mieux, mais mise en scène avec les nouvelles technologies, donc avec des cutscenes, etc. Je veux dire, il y a moyen que ça peut, que c'est au contraire, que le remake puisse t'intéresser, justement, si t'as pas accroché au jeu original, parce que il avait un gameplay trop ancien pour toi, quoi. Voilà, il y a une sorte de moineau là-bas. Hein. Alors ça, c'est de l'ennemi, ça. Hein. Non, c'est pas une exclu... c'est une exclu temporaire, PS4. Après, on ne connaît pas les détails de ce que ça veut dire par là. Est-ce qu'il sortira d'abord sur PS4 et ensuite sortira sur PC et Xbox, ou est-ce qu'il sortira en fait en même temps sur PC et PS4 et plus tard sur Xbox? Mais c'est une exclusivité temporaire PS4, ça c'est sûr. Hein. C'était précisé Play It First. Donc je vous dis d'abord sur PS4, mais pas pour toujours. Hey, c'est la première fois que tu te... Ah non, c'est pas la bonne phrase. Hey, c'est la première fois que tu te retrouves dans un réacteur. Non, en fait, j'ai travaillé à la Shinra du CERN. Putain, la voix de Claude, du coup. La planète est chargée d'énergie, Mako. Les gens d'ici l'utilisent tous les jours. Tous les jours! Mais personne ne sait vraiment de ce dont il s'agit. Et toi? C'est l'énergie vitale de cette planète! Mais la Shinra n'arrête pas de la puiser avec ses étranges machines. PC décide de faire la merde avec mon scolaire. Alors, il me semble qu'elle était dans un système, mais pas sur du tout, mais par exemple, elle était dans le Chrono Trigger, les appareils FM, mais qui était la créature de DBZ. Ouais. Non, moi je parlais de. Dans les FF, je parlais. Mais tu me mets le doute, je me demande si c'était pas dans FF4 qu'il y en avait eu. Réacteur? T'as pas compris le mot réacteur, Dana? Je ne suis pas ici pour. Non, ça va être comme. Je ne suis pas ici. Il m'a parlé du nez, Claude. Je ne suis pas ici pour recevoir un corps magistral à la DBGNO. Très bien, à partir de maintenant, tu me lâches plus d'une semaine. Pas d'une semaine. Et là, je rentre en toi. Ça, c'était la magie où... Pour signifier que le personnage est avec toi, il te rentre dedans, quoi. Code déchiffré. Bon, après, dans FF... Dans le suivant, FF8, ils ont fait mieux, ils ont fait que les personnages te suivaient. Enfin, concrètement, sur la carte, sur le jeu. Mais du coup, il te suivait en file indienne, donc ça faisait aussi un truc bizarre. T'avais une file indienne de 3 personnages comme ça. Pince-toi le nez pour la voix de Cloud. Moi, j'ai pas besoin de me pincer le nez pour faire une voix qui parle du nez. Ouais, je crois que c'était FF4, ouais, je crois. 32 ans. Alors là, il faut appuyer sur le bouton, sinon on va rester bloqué pour toujours. Hein. Allez. Il va sortir. Je sors de ton cul. C'était pas mal. Petit à petit, les réacteurs vont épuiser toute forme de vie. C'est ce qui va se passer. J'en ai rien à branler. Ce n'est pas mon problème. Tiens, j'étais presque. Ce n'est pas mon problème. Oh, ouga, ouga! La planète meurt, Claude! La seule chose qui m'intéresse, on dirait la voix de Végéta un peu, c'est de finir ce boulot avant l'arrivée de la sécurité et des gardiens de robots! Oh, je sers du poing avec une main où je n'ai pas de poing. Techniquement, il a une mitraillette. Je sors de ton cul. En fait, c'est très sexuel quand il pense à FF7. C'est très la sexualité. Alors. Musique mythique de Nobuo Uematsu. T'es dégueulasse, mais est-ce que c'est de ma faute? Alors là, maintenant, on va mettre ça sur... Et là, ça va être un peu du bruitage. Au début du jeu, les ennemis sont pas très durs. Par contre, faut faire gaffe au premier boss, parce qu'on peut mourir assez facilement, hein, si on fait pas gaffe. Hein. Le premier boss, c'est le genre de jeu où tu te faisais pas de cadeaux même dès le début.
quand même faire gaffe. Hein. Avec mon, avec ma malchance, c'est possible qu'on meure. J'ai un peu d'XP. Là où pour moi le jeu aujourd'hui, je pourrais pas le refaire en entier aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'un remake m'intéresse aussi, que j'espère qu'ils changeront un peu ça, c'est tout le côté leveling de l'époque. Ouf, enfin. Là faut faire parfois des grandes sessions de level up et c'est chiant quoi. Appuie sur la touche OK. J'ai pas ça sur ma manette. En face d'une échelle pour l'emprunter. Utilise ensuite la touche directionnelle pour monter et descendre. Donc ça c'était l'époque en plus des décors précalculés en 3D avec des personnages qui se déplaçaient dedans. Resident Evil c'était pareil. Ouais, l'identité. C'est quoi ça? Une potion. Que de mauvais souvenirs, carrément. Ah là, il y a un point de sauvegarde, oui, parce que c'était aussi l'époque des points de sauvegarde, les enfants. Il n'y avait point de checkpoint. Bon bah, sauvegardons. Ah non, c'est vrai, il faut passer par le menu. Ah putain, en plus je me confonds parce que le croix et rond sont inversés. C'est à la japonaise. Ah oui. Je veux rentrer dans la fente 1. D'ailleurs, attends, qu'est-ce que j'ai dans... J'ai du matériel ou quelque chose? Équipé. J'ai encore rien. Magie, qu'est-ce que j'ai? Ah putain, j'inverse croix et rond, c'est horrible. Ça, je les ai déjà. État, placé, limite, confine. Ouais, non, il n'y a rien à changer. Là. C'est encore trop tôt pour qu'on puisse personnaliser le personnage. Oh putain, au secours, je me fais attaquer. Attention à ne pas tomber. Oui, merci, qu'est-ce qu'il y a. Peut-être utiliser un peu de magie. Contre les gros monstres comme ça. Mais bon, on va éliminer les petits. Je pense que l'éclair contre les machines, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Ah, une potion. Est-ce que c'est... Non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Oh putain. Oh, secours, on se fait attaquer. En fait, imaginez que c'est... Comme si c'était un Pokémon, mais qu'il y avait des hautes herbes partout. C'est un peu... Oh putain, en plus c'est par derrière. Ah non, ça c'est dégueulasse. Du coup, je sais pas si tu... Si lui t'as dit pour la bombe, je vais le présenter. Si Holyman, j'ai vu dans la conf qu'il devait pas être ça. Et là, je ne suis pas d'accord maintenant, tu peux sauvegarder quand tu veux en dehors des checkpoints. Allez, j'ai vu, machin. Bon, attends, je vais peut-être te jouer parce que là, je suis en train de... Attends, mais c'est vrai qu'ils sont en train de me violer là. C'est vrai que c'est pas du vrai tour par tour, en fait, je vérifie. Oh, on peut mettre sur pause, voilà, je vais le faire. Le chat. Ta-da-ta-da. Ah, et un des trucs du gameplay aussi, c'est quand on se prend pas mal de coups dans la gueule, il y a une jauge limite, de la limit break, qui augmente, et quand on atteint le maximum, bah... Le personnage peut faire un coup spécial. Coup spécial qu'on peut on peut en débloquer plusieurs pour chaque personnage. Une matéria restaurée, ah oui. La matéria restaurée, par contre, je vais l'équiper.
Est-ce que je peux l'équiper peut-être plutôt sur Barrett? Je sais pas si j'ai l'impression. Attends, fusil automatique, ça c'est... Non, mais en fait, je peux le placer sur celui que je veux. Non, peut-être plutôt sur Barrett, comme ça, il fera de la magie électrique. Ah, putain, mais... Ah, mais non, attends. Attends, comment ça marchait, déjà? Les matériaux... Attends. Est-ce que... Ah, je vais y arriver, j'arrête pas de confondre les deux boutons. J'ai pas accès. En fait, j'ai pas le menu matériel, en fait. C'est dans le menu matériel, en fait, où j'aurais pu la placer. D'accord. Bon, en fait, j'ai pas le droit de le faire maintenant, en fait. Bon, en gros, les matériaux, c'est des boules de magie que tu peux placer sur tes armes et qui te donnent, justement, les pouvoirs foudre, soins et compagnie, quoi. Lorsque nous ferons exploser cet endroit, il ne nous restera qu'un amas de sort. Cloud, pose la bombe. Tu as posé la bombe? Bah non, on vient d'arriver. Ne devrais-tu pas le faire, hein? Fais-le, imbécile, je vais te surveiller. Très bien, comme tu veux. Alors, c'est pour ça que je préfère qu'on ait été là. Parce que tu dis, quand te bats, si t'as de gars, tu te bats pas en même temps. Ouais, c'est sûr que c'est un truc, les combats aléatoires comme ça, c'est un truc qui ne me manque pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas, Claude? Dépêche-toi! Ouais, désolé. Vas-y, ils arrivent! T'as peut-être dû me soigner avant, j'ai peut-être fait une connerie. Parce que lui, c'est le premier boss du jeu, si on peut dire. Donc lui, c'est tout de suite des attaques éclair dessus, parce que sinon, il va être chiant. Là, quand il te détecte comme ça, ça va être... Il faut pas que j'inverse rond et croix, parce que ça va être compliqué. Je sais pas si on peut changer dans les touches. Je pense pas. Mal quand même, putain, ça ferait. Ah, là, j'ai la limit break de Claude qui est activée. Je vais pouvoir l'utiliser au prochain. Voilà, hop. Limite, bravoure. Peut-être utiliser là une potion sur Claude tout de suite. Ça y est, Barrett, il a sa limite. Alors, pour t'as ressorti les vieux jeux du carton, bah écoute, avec l'annonce du remake de FF16, j'étais obligé d'y jouer. Bah après le FF6, il a une version française officielle, FF6. Je sais même pas. Je sais que tu peux trouver des VF sur internet, mais... Oh là là, le viol. Hashtag le viol, ça c'est chiant ça. Mais ça veut dire qu'on arrive à la fin là. Attends. Élément potion sur moi-même, et élément potion sur moi-même aussi, voilà. Comme ils ont la limite break, ça va recharger rapidement, voilà, et là ils peuvent attaquer. Ça aussi c'est stratégique, quoi, le fait d'avoir la limite, ta jauge ATB remonte plus rapidement, donc faut s'en servir. Que de laser! Putain, ça c'est chaud. Mais qu'est-ce qu'il attend, Barret, pardon, pour attaquer? Il veut crever ou quoi?
Qui live après toi? Bah aucune idée. Si c'est... Si PokéSeb était prévu ou pas. Je vais perdre enfin, j'espère. Non, en fait, c'est que les versions officielles. C'est bien ce qui me semblait pour FF6, c'est qu'il n'y a pas encore de VF officiel. On a gagné! Passage. Vite! Déguerbison! 10 minutes avant explosion. Oh fuck! Du coup, j'ai toujours pas utilisé la magie restaurée là. Non, je peux toujours pas voir. C'est chiant ça. Du coup, j'ai que les potions là. Je vais à 148, 196 pour sortir de là, ça va être chaud. Évidemment. Potion, plus il me reste plus qu'une. Pas sur code. En espérant en ramasser une en chemin. Et une petite sauvegarde quand même. Vite, il faut sauvegarder, sinon tout va exploser. Vite, oh mon dieu. Que je sauvegarde pas sur ma partie. La vieille partie de PS... Enfin, que j'ai commencé sur PS3 et j'ai continué sur PSP à l'époque. Quand j'avais fait le jeu une deuxième fois. Donc j'étais pas allé jusqu'au bout, mais... C'est le tout premier StarCraft Broadwar. Ah bah ça, c'est facile de faire meilleure qualité que la version française de... FF7. Encore une fois, elle était vraiment... En gros, je crois que c'était Sony qui l'avait financé, la trad française. Justement parce qu'ils aimaient... Ils avaient fait pareil pour Tomb Raider. Sony finançait les traductions françaises de ces jeux qui sortaient sur leur console. Mais du coup, sous-traité vraiment au moins cher, quoi. Enfin... C'est juste histoire de dire version intégrale sur la boîte, quoi. C'est assez vicieux. C'est vrai que dit comme ça, Riolink, c'est comme si un écolo faisait péter une bombe, un réacteur nucléaire pour dire « Vous voyez, on vous l'a dit que c'était dangereux !» Le pire, c'est qu'ils en seraient capables, c'est quoi. De faire exprès de faire sauter un réacteur nucléaire pour dire « Vous voyez que c'est dangereux !» Ah non, je crois qu'il faut pas jouer à la sauver, non. Ça va ? Mince, j'ai la jambe coincée. Ah, tu me l'as décoincée. Et je te saute dessus. Vite, oh mon dieu, on va tous mourir. En fait, on a largement le temps de sortir. L'ascenseur, vous pouvez passer l'autre. Ah bah les musiques, tu vois ça. Vite, rentre dans mon corps. Je préfère la musique de Chrono Trigger. Ah, étant donné que je n'ai jamais... Enfin, j'ai fait...
Ouais, j'ai déjà lancé Chrono Trigger pour voir un peu ce que c'était, mais je peux pas dire que j'ai vraiment joué. Je sais que je connais quelques musiques, je sais qu'elles sont très 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 réussies, y a pas de problème. Et forcément, je préfère celle de FF7 parce que là, c'est pas pareil, c'est un jeu que j'ai joué. Mais c'est sûr que Chrono Trigger, c'est très bien aussi. Avoue que s'ils faisaient un remake de Chrono Trigger, tu ferais dans ton slip au niveau. Oui, allez, on a gagné, vite, ça va exploser, mais on va quand même faire une danse de la victoire. Je sais plus qu'est-ce qu'il faut faire là. Faut leur parler peut-être. Oui, c'est ça, faut leur parler. Vite, tant que tu nous parles pas, on n'ouvre pas la porte. Oh putain, un convoi. Holyman est un fanboy comme les autres, c'est juste qu'il c'est pas sur FF7. Limite break sur un pauvre petit qui n'a rien demandé. Le pauvre. Allez, allez. Code déchiffré. Ok, super, on se casse. Arrête de te coincer la jambe, on y va. Mais là, de toute façon, c'est pas des réacteurs nucléaires, hein, pour en revenir à la conversation. C'est des réacteurs Mako, c'est-à-dire qu'ils puisent l'énergie vitale de la planète. Un remake de Chrono Trigger, ce serait bizarre, parce que je pense que si on retouchait à ce jeu, il ne pourrait être que plus mauvais. Ah bon ? Ok, retournez-y maintenant. Roulade. Bon, sortons d'ici. Rendez-vous à la gare du secteur 8, séparez-vous et montez dans le train. Hey ! Si c'est pour ton argent, mets-le dans la cachette. Quoi ? Jusqu'à notre retour. Quoi ? J'ai pas compris. Alors si ça vous intéresse, sur PC, il existe une traduction non officielle. Qui apparemment est de qualité. Hein. Si jamais ça vous intéresse. Ou alors attendez la nouvelle trad officielle qui aura au remake. Jeune fille aux fleurs, excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas bah, mieux que tu t'en ailles. Rien, écoute. Bah écoute rien, à part des morts. Je ne vois pas beaucoup de fleurs par ici. Ah, celles-ci, tu les aimes, elles ne coûtent qu'un kill. Écoute, la passe n'est pas très chère, dis donc. Oh, merci. Tiens. Cache ta thune. Je l'ai pas faite, mais la 3D fait trop mal aux yeux pour ça. On parle de quoi, Chrono Cross ?
La traduction officielle de quoi? D'accord, je répète si vous n'avez pas compris. Là, on est sur la version originale, qui le portage PS3, quoi, et la version originale du jeu, qui a une version officielle, une traduction française officielle de mauvaise qualité. Si ça vous intéresse, sur PC, le même jeu, Final Fantasy VII, a une traduction française non officielle de meilleure qualité. Ou sinon, vous pouvez attendre le remake de FF7 qui aura certainement une vraie traduction officielle cette fois. Voilà, voilà. Si vous n'avez pas compris. Et toi là-bas, les soldats Shinra, plus tard. Au secours. Non, je les attaquerai plus tard quand j'aurai pas la flemme. Ah, mais en fait, ça va être une tournante. Tu ne peux pas continuer plus loin. J'ai pas de temps à perdre avec des gars comme vous. Assez parlé, attrapez-le. Jérôme. Oh, le fou. Claude n'est jamais venu. Ah bon? Mais j'étais là pourtant il n'y a pas 5 minutes. Claude, je me demande s'il a été tué. Sûrement pas. Claude. Dis-moi, tu penses que Claude va se battre jusqu'à la fin pour Avalanche? Comment le saurais-je? Je ne suis pas voyant. Si vous n'étiez pas tous si... Eh, Barrett, et notre argent? Rien, pardon. Ah. Attention, doublage français de qualité. Claude! On dirait que je suis un peu en retard. Oui, tu es en retard. Ça commence à valser ici. Ah bon? On allait danser? Aucune importance, c'est ce que je fais toujours. Quoi? Je comprends pas. Mince. Tu ne vois pas que tout le monde était inquiet? Tu te fiches complètement des autres ou quoi? Oui. Vous inquiétez, Benoît? Quoi? J'ai dit ça de ton argent. C'est les dialogues qui n'ont aucun sens. Réveillez-vous, on y va, suivez-moi. Oui, rentre dans l'écran. Enfin, sors de l'écran. Disparition. Hé, Claude, tu feras encore mieux la prochaine fois. Attention, je vais fermer ça. Attention. Oh, Claude, ton visage est tout noir. Oh, putain. Je vais pas faire de blague. On va pas faire de blague sur ce qui vient de se passer. Merci de m'avoir aidé là-bas au réacteur. J'aurais pu mûrir. Raciste. Tu es raciste. S'est transformé en Barrett, c'est ça. C'est pour ça que j'étais à ce dernier train, pauvre de moi. Encore de la racaille. Dis donc, Barrett, ma thune. Ok, hashtag la violence. S'il te plaît, tu déranges les autres passagers par ta présence. Ah bon, bah excusez-moi, monsieur. On dirait que cette train n'est pas encore passée en mode sécurité, je suis sûr que ça va changer d'ici demain. C'est vrai qu'après tout, un réacteur vient d'exploser, on va pas du tout faire une recherche de qui aurait pu faire ça. Un jour, Avalanche va être célèbre, et moi aussi.
Hé hey Claude, tu veux regarder ça avec moi? C'est une carte du réseau ferroviaire de Midgar. Regardons-la ensemble, je t'expliquerai. Mais ça me passionne. J'aime bien ce genre de truc, des bombes et des moniteurs, tu sais, les trucs clinquants. Ah bon. Mais je me rassure. Hein. Ok, ça va commencer, le spectacle. Oh. Oh. C'est une maquette complète de la ville de Midgar. L'échelle est d'environ 1 millionième. La plaque supérieure est à peu près à 50 mètres du sol. Une structure porteuse principale maintient la plaque en haut. Au centre, il y a d'autres structures. Tu sais que j'aime bien Midgar. Porteuses intégrées à chaque section. Le réacteur numéro 1 que nous avons fait sauter était dans la section nord. Quoi? Le réacteur numéro 1 que nous avons fait sauter? Puis il y a le numéro 3, etc. jusqu'au 8. Les 8 réacteurs fournissent de l'électricité à Midgar. Chaque secteur avait un nom, mais personne à Midgar ne s'en souvient. L'utiliser des noms, nous les désignons par des secteurs numérotés. Ou alors, on pourrait tout simplement leur donner des nouveaux noms, mais enfin bref. Voilà le genre d'endroit dont il s'agit. Si on ouvrait un livre d'histoire pour connaître le nom des... C'est le suivant, regarde. C'est la route sur laquelle ce train se rouvre. La route décrit une spirale autour de la structure porteur principale. Nous devrions arriver maintenant autour de la zone centrale à chaque fois. Ce que tu dis n'a aucun sens. Tout le monde se rend compte que nous avons l'air suspect. Je crois que c'est parce qu'on a parlé de bombes et d'explosions. Alors ils ont de fausses identités. Quand on parle du loup, cette lumière indique que nous sommes dans la zone de vérification de sécurité d'identité. Quand les lumières s'éteindront, on ne sait pas quel genre de créature va sortir. Alors c'est un agent de la SNCF. Mon dieu, quelle créature qui fait peur. Hé, hey, je te dis de ne pas déranger les autres passagers. Pourquoi il y a la salle? Fais pas le malin, barrette d'or. Ah bon. C'est vrai qu'il a vachement l'air de dormir, mais bon. S'il n'y avait pas la plaque, nous verrions le ciel. Une ville flottante, quel spectacle insolite. Hein? Je ne pensais jamais entendre ça de quelqu'un comme toi, tu es plein de surprises. Le monde supérieur est une ville sur une plaque. C'est à cause de cette satanée pizza que les gens sont dans cette souffrance. Et la ville du dessous est pleine d'air pollué. En plus, le réacteur n'arrête pas de pomper toute l'énergie. Alors pourquoi tout le monde ne va pas sur la plaque? Demande-t-il d'un air naïf. Je ne sais pas, probablement parce qu'ils n'ont pas d'argent, ou peut-être... Parce qu'ils aiment leur terre, même si elle est très polluée. Ah, tu veux dire qu'ils sont cons? Baisse doublage ever. Entre une soeur qui font de remettre, ils font les mots avec les mots en français. Je sais, personne ne choisit de vivre dans les taudis. C'est comme ce train, il ne peut aller que là où il entraîne. Puis c'est métaphorique, celui-là, c'est très... Il ne prend que lui, je fais tous les personnages. Ah, c'est passionnant. Qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Dans le début du jeu, est un peu... Forcément, il explique l'univers, tout ça, donc... Mais pour tout vous dire, grosso modo, l'introduction du jeu, en gros, donc, c'est ce qui se passe dans la ville de Midgar, là, la ville où on est, et... Je veux dire, la première fois que tu l'as fait, quand tu connais pas le jeu, tout ça, t'en as pour une bonne dizaine d'heures pour juste finir cette partie-là. Et après, t'es enfin dans le monde... Sur la warp de map pour te balader partout dans le monde du jeu, etc. L'introduction, c'est une dizaine d'heures, quoi. Hein. C'est très RPG-esque comme concept. Hé, hey, venez tous ici! Non, moi je me casse! Je suis un rebelle! Bon, d'accord. Cette mission a été un succès, mais pas question de vous reposer sur vos lauriers. Le plus dur est encore à venir, ne soyez pas effrayés par cette explosion. La prochaine sera encore plus forte, et cette fois, il y aura les morts.
On se retrouve à la planque. Allez, dégagez. Je crois que c'est les terroristes les moins... les moins effrayants du monde, quoi. Oh là là, n'ayons pas l'air suspect. N'ayons pas l'air suspect. On peut encore aller là. Ah là, il y a un truc ici. Il est en train de faire quoi? Il est en train de pisser, lui, là-bas? Il fait quelque chose? Qu'est-ce qu'il fait? Bonjour. Hé, hey, mais... Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Ne mets pas de ça, bon sang. Tu veux voir, toi aussi? Non, je suis pas sûr de que je vous vois. Il y a une explosion au-dessus. Si ce pied s'écroule, tout le monde sera réduit en poussière dans les taudis. Eh bien, il n'y a pas de raison de se faire du souci à ce propos. Et regarde, c'est gigantesque, non? Ça n'a pas de sens. 10 heures, dont 8 heures, on perd de temps avec des textes, les combats lents et les émotions bien lentes, oh my god. Ah bah oui, mais ça, c'est parce qu'aujourd'hui, dans les jeux vidéo, on est habitué à un rythme... C'est comme comparer le rythme d'un film des années 60 à un rythme d'un film des années aujourd'hui. Les rythmes changent dans... Et c'est pareil, c'est qu'à l'époque, c'était pas choquant du tout. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on serait obligé de faire un rythme où ça n'arrête pas d'avancer. C'est un endroit étrange et merveilleux. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de me faire une pipe. C'est chez moi, mais tu peux y venir comme bon te semble. Allez, salut! Hé, Claude, viens ici, maintenant. Au pied. Bon, je pense que dans 15 minutes, à 18h, on va passer sur un autre jeu FF, Final Fantasy 7. Celui qui est sorti sur PSP, Crisis Core, qui est une sorte de préquel, si on peut dire, à ce Final Fantasy là, qui est plus moderne, donc qui sera peut-être plus rythmé pour vous. Mais je voulais quand même qu'on joue quand même à l'original, parce que c'est important. C'est important de se rappeler des bonnes vieilles valeurs, les traditions. Bon, je trouve qu'il est un peu limite quand même, c'est des mecs qui lui posent des bombes pour faire promouvoir leurs idées, pourquoi je suis mauvaise. Bah... Oui, il pose des bombes, ouais, bon... Donc c'est pour le côté anti-héros, quoi. Puis il faut, et c'était avant les attentats du World Trade Center, tout ça. Tu veux rencontrer ta petite chérie? Petite chérie? Et ne fais pas comme si tu ignorais ce dont je parle. Je te dis... Ok. 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 Il veut pas me laisser m'entuer, la vie de l'un. Ok, passe devant. Papa! Marlène, tu ne dis rien à Claude? Connard! Bienvenue à la maison, Claude. On dirait que tout s'est bien passé. Tu t'es battu avec Barrett? Non, pas cette fois. Tu as grandi. Lorsque tu étais petit, tu te battais pour un oui ou pour un non. Tifa. Et oh, on ne voit presque jamais ici dans les taudis. Mais, une fleur pour moi? Oh, Claude, tu n'aurais pas dû. Pas bien grande. Non, je vais la donner à Tifa, parce que peut-être qu'il y a moyen que... Merci, Claude, elle sent très bon. Je devrais peut-être en prendre le magasin de fleurs. Tu fais ce que tu veux. Ah, rien ne vaut le premier verre après la fin d'une mission. Hic ! Pourquoi ne te prenais toi aussi ? Tiens, allez, pourquoi pas, bourre-nous la gueule. Oh ! Un gros black. Papa, bienvenue à la maison. Tu vas bien, Barrett ? Super ! Venez ici, espèce d'idiot, on commence la réunion.
C'est là que tu dis qu'un remake ne ferait pas de mal. Parce que l'histoire du jeu, elle est bien. Mais, je veux dire... Là, on s'en rend pas forcément compte si vous la connaissez pas. Mais justement, moderniser et mieux mis en scène avec les codes d'aujourd'hui, ça franchement, ça pourrait être bien. Je vous jure. Vous ne croyez pas? Je vous jure. Elle fait pas très fille, la voix de Tifa. Comment ça, elle fait pas très fille? Hé, hey, Claude, j'ai quelque chose à te demander. Y avait-il quelqu'un du soldat parmi nos adversaires? Personne, j'en suis sûr. Tu as l'air vraiment sûr. Oui, puisque je te le dis. D'accord. Conversation passionnante. S'il n'y avait plus quelqu'un du soldat, tu ne serais pas là maintenant. Ne te juge pas si mal... Quoi? Quoi? Tiens, prends-toi la caméra dans la tête. Oui, tu es fort. Tous les gars du soldat le sont probablement, mais n'oublie pas que tu travailles maintenant pour Avalanche. Ne t'obstine pas à t'accrocher à la Shinra. Rester avec la Shinra, tu m'as posé une question et j'ai répondu, c'est tout. Je monte, je veux parler de mon argent. Attends, Cloud. Tifa, laisse-le partir. On dirait que la Shinra continue à lui manquer. Tais-toi. J'ai mes fils de la Shinra et du soldat. Je crois en le pouvoir de l'amour. Mais comprenez-moi bien, je me fiche de l'ange et de la planète d'ailleurs. Je veux juste de l'argent, je suis un mercenaire moi. Et laissez-moi remonter, bordel de merde. Écoute, Claude, je te demande, joins-toi à nous, s'il te plaît. Non. Désolé, Tifa. La planète est en train de mourir. Lentement, mais sûrement. Elle meurt. Il faut faire quelque chose. Alors, les barrettes et les gobelins sont chargés. Je n'ai rien à voir avec ça. Alors, tu t'en vas vraiment? Tu pars comme ça, sans te soucier de ton ami d'enfance? Quoi? Comment pas dire ça là? Je m'excuse. Tu vas trop important, je sais pas quoi faire. Tu as oublié la promesse aussi? La promesse? Alors, tu as vraiment oublié? Souviens-toi, Claude, c'était il y a 7 ans. Rentre dans mon corps. Ce serait Tifa qui rentrerait, ça serait très étrange. Regarde le puits, tu te souviens? Oh oui, nous voyons un flashback ensemble. Tout ceci est parfaitement normal. Oui, à l'époque. Je pense que tu ne viendras jamais. J'ai commencé à voir. Je pensais. Oh putain, je sais plus lire. J'ai pensé que tu ne viendras jamais, j'ai besoin de voir. Pardon, je suis en retard. Ils n'ont pas de bouche? Non. Tu as dit que tu voulais me parler de quelque chose. Ce printemps, je quitterai cette ville pour Midgar. Tous les garçons quittent notre ville. Mais je suis différent d'eux, je ne vais pas simplement chercher un emploi. Je vais chercher du travail. What? Je vais rejoindre le soldat. Je vais devenir le meilleur, tout comme Sephiroth. Sephiroth, le grand Sephiroth.
N'est-ce pas dur... Ah bah putain, je confonds les deux. N'est-ce pas dur de rejoindre le soldat? Je ne pourrais probablement pas retourner dans cette ville pendant un moment. Hein? Non, j'ai rien dit. Ah bon? Jeanne, au secours! Seras-tu dans le journal si tu réussis? J'essaierai. Et pourquoi ne pas nous faire une promesse? Parce que c'est complètement con. Si tu deviens vraiment célèbre et que j'ai des problèmes, tu viendras me sauver, d'accord? Quoi? Chaque fois que je serai en difficulté, mon héros viendra à mon secours. Je veux connaître cela au moins une fois. Quoi? Je m'en fous, je dis Sephiroth. Sephiroth. Allez, promets-moi. Bon, je te le promets. Est-ce craigneux? Oh, le météore, il est là. Tu te souviens maintenant, non, notre promesse? Je ne suis pas un héros et je ne suis pas célèbre, je ne peux pas tenir la promesse. Mais tu as réalisé ton rêve d'enfant, non? Tu as rejoint le soldat. Alors, tu dois tenir ta promesse. Salut, je viens casser l'ambiance. Attends une seconde, espèce de soldat de rien. D'accord. Une promesse, c'est une promesse, voilà. Reçu le magot de Barrette. C'est mon salaire. Laisse-moi rire. Quoi? Alors tu... Tu as prévu la prochaine mission, je m'en charge pour 3000. Quoi? D'accord, d'accord. Nous avons vraiment besoin d'aide, non? Cet argent est destiné aux études de Marlène. Par le météore de Pégase. Mais je m'en fiche, Oliman. Il s'appelle Sephiroth, c'est tout. 2000. Merci, Claude. Mais j'ai pas dit oui. Mais j'ai dit 3000. Pourquoi il... Tu quoi? Bon, je pense qu'on va arrêter là et puis on va passer sur... voir si je peux vite fait sauvegarder des fois qu'un jour on continue, mais je suis pas sûr. Il y a pas un point de sauvegarde ici. Non, il faut vraiment aller en haut. Et on passe sur Crisis FF7 Crisis Core, qui était sur PSP. Balala. Alors n'hésitez pas à rappeler tous vos amis, ceux qui ont fui après le début de ce jeu. Notre cible est le réacteur du secteur 5, direction la gare d'abord, je voulais être prendre dans le train. Hey Claude, dans la prochaine mission, je voudrais te demander quelque chose. Je ne sais pas vraiment comment utiliser la matériel, je vais te donner la matériel de vos avis. Tu n'y comprendras rien. Ouais. Ah bah ça y est, on peut enfin équiper la matériel. Oh, il veut tenir quelque chose, n'oublie pas. Marine survient la boutique, d'accord, d'accord. Vite, rentrons tous dans Cloud. Ça y est, on a enfin l'accès au menu matériel. Donc là, justement, il y a foudre et machin. Barrette, on va lui mettre restauré. Hop, moi je sauvegarde vite fait, puis on passe sur Crisis Core. Donc, comme d'habitude, il y aura une petite coupure, le temps de préparer la suite. Et je reviens dans quelques instants, dans quelques minutes. Ne partez pas! Pitié! Qu'est-ce que je fais? Voilà! Bon! À tout de suite! Pour un autre FF7.